Putain, salut tout le monde, c'est Sonia. Vous voyez que je suis allée sur une chaîne et je me suis chopé ça et il y avait un truc que je voulais voir si je vais là. Ouais, en fait le bug ça fait chez tous ceux qui ont pas de bannière. Donc genre Shauna en fait, oui c'est Shauna, elle peut plus, elle peut, là j'arrive pas à parler. Elle peut avoir la bannière de n'importe qui. Je peux vous dire que j'en ai déjà volé plein des bannières. Je peux pas vous dire combien, mais j'en ai volé pas. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour lire le chapitre 15 que j'ai lu et... Putain, ça m'a tué. Mais il m'a tué ce chapitre. Et ça m'a tué. Je sais pas, je crois que c'est la fin du chapitre, mais... Enfin, de la partie, les parties là. La mort de Célia. Mais il m'a tué. Ah, il m'a tué. Chapitre 15, la mort de Célia. Là, vous faut être sûr que je ne vais pas enregistrer la photo parce qu'il y a Célia. Célia, quand je la vois, j'ai envie de la tuer. Là, direct, je m'en retiens parce que j'ai envie de taper l'écran. Alors, on y va. La Violette n'allait pas dire son dernier mot. Shaun était à elle et personne d'autre. Elle voit son frère s'éloigner et aller voir le reste de l'équipe pour faire ce que les trois managers avaient prévu. La coach était dans la caravane et vérifier les affaires des joueurs avec Monsieur Vétéran pour savoir s'il n'y avait rien de suspect. La coach fouille celui de la Violette et trouve des paires de ciseaux, des couteaux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire que j'ai des couteaux? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai le droit d'avoir des couteaux, non? C'est ma vie! Oh, c'est ma vie! Oh mon Dieu! Que se passerait-il? J'ai compris que tu voulais dire que se passe-t-il, mais que se passerait-il? Ça m'a fait rire quand je l'ai lu. La coach montre au conducteur et les deux adultes se demandaient ce qu'elle peut faire avec cela dans ses affaires. En fait, je vais tuer ce lion. Genre, tu t'approches de femme, je te tue. Putain. En fait, je crois qu'une yandere s'agit même avec les mecs. Alors, ça agit que avec les filles. Oh, je sais pas, je crois que ça agit genre avec le sexe opposé du senpai ou du petit ami. Mais je crois aussi que c'est les garçons. Je sais pas. Ah, je sais pas. Les filles, je suis sûre, mais les garçons, je sais pas. Suis trop jaune. De quoi? Oh, Célia! Oh, j'ai envie de la tuer. Ah, putain, je vais la tuer, je vais la tuer, je vais la tuer, je vais la tuer, c'est pas possible! Pendant ce temps, l'équipe Raymond jouait un peu. Les filles. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, gueule, gueule. Merci. La Violette restait un. Attends, on était où? Et Raymond jouait au jeu que les filles ont organisé. Et tous riaient et discutaient. La Violette restait un peu à l'écart. Tout en surveillant son petit ami qui discutait avec Tori Celia. Oula, oula, je le sens mal. Sonia regardait mal Célia. Putain, tu m'étonnes. La sœur de Charo... De Sharon? Non, c'est Jude, hein, c'est pas Sharon. De Jude était devenue la cible de la Frost. Et elle allait bientôt n'être plus de ce monde. Tu es drôle, Shaun. Oh, putain, je vais la tuer. Excusez-moi, mais je vais la tuer, je vais la tuer, je vais la tuer, je peux plus, je vais la tuer. Shaun riait avec elle, la Violette serre ses mains et ne peut pas continuer à regarder cette scène. Elle était très énervée. Le soir, la Violette allait demander à Hills de venir la voir dans un coin tranquille, dans un coin tranquille mais sombre. Sonia, où es-tu? demanda Célia terrifiée par le décor. Hills ne se sentait pas bien en voyant la forêt sombre et elle ne plus comprendre ce qu'il arrive. La Hills étant plongée par terre dans une flaque de sang avec un couteau au ventre, la Violette la poignarde et jette son corps dans le lac à côté. À côté, la yandere était sortie et il fallait s'en méfier. Oh là là! Vous allez voir comment je vais bien faire cette phrase. Shaun est à moi. Qu'à moi! Bon, en vrai, les yandere, ça font carrément ça.
Ça, on n'est qu'à moi. Rien qu'à moi. C'est vraiment flippant, quoi, comme elles font. Elles penchent leur tête et elles disent leur senpai. Enfin. Yandera-chan a dit surtout, Senpai n'appartiendra qu'à moi. Qu'à moi, rien qu'à moi. Elles se font des films et tout, c'est horrible. Limite, genre Shonya, elle se fait pas de film, quoi. Limite, voilà, je suis pas genre psychopathe au point d'Ayano, quoi. Mais je suis psychopathe, carrément psychopathe, quoi. Shonya était couverte de sang et partie vite s'échanger pour enlever toute trace. Mais quelqu'un avait vu la scène du meurtre et cette personne faisait partie de l'équipe, c'était Willy. Tu m'as trahi! Non, c'est pas vrai. Willy, t'es un intello, wesh. Tu fais ça, je te bats. Là, direct, direct, si tu le dis, déjà de 1, tu sais très bien ce qui va t'attendre. Donc, voilà. Mais en vrai, je me demande trop. Est-ce qu'il va le dire? Je me demande trop cette question. Enfin, je sais pas si on a la suite déjà, mais. Enfin, je m'en souviens plus. Il devait aller chercher du bois pour le feu. D'où, mec, tu vas chercher du bois pour le feu à minuit? Tu m'expliques? Enfin, il n'est pas précisé l'heure, mais. Logiquement, j'ai dû tuer Célia vers minuit. Je sais pas, c'est plus logique de tuer Célia vers minuit. Là, on était où? La violette, elle était électronique. Allez voir des problèmes. Télectronique. D'accord, ok. M'expliquerai ce que ça veut dire télectronique parce que je connais télectrocuté, mais télectronique. Je connais pas. Le lendemain, tout le monde cherchait Célia et tous étaient inquiets. Mais la violette restait tranquille, comme si de rien n'était. Son frère va la voir. Et ne me dis pas, tu essaies de dire le gris en se retenant de pleurer. Je n'ai rien fait! Le gris s'assoit à côté de la violette et lui met un collier autour du cou. Il était très beau avec une pierre précieuse. Comme pendentif, la violette reconnaissait le collier de sa mère. Oh, c'est trop mignon! C'est trop kawaii. Joyeux anniversaire, petite sœur. Oh. Mince! J'ai oublié notre anniversaire. Non, je sais que je suis amnésique, mais de là à ce que j'oublie l'anniversaire de Shaun, limite, il y a un problème! What the fuck? What the fuck? Je sais pas ce que j'ai fait. D'accord, ok. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc du coup, on n'a plus de Célia. Donc du coup, c'est à suivre. Donc, plus de Célia. Plus de Célia. Plus de Célia. Plus de Célia. Célia est morte, morte, morte. J'ai cru que j'avais touché l'icône à Shauna. Là, par contre, je me serais tué. Il me reste pas mal d'images quand même à enlever le fond. Ça me fait assez chier. Mais bon, écoute. Hop. J'adore trop cette image. Elle est trop drôle, cette image. Attends, hop. Bon, là, du coup, je l'ai. Ah, bah si. On l'a. On a toute une image du collier. Putain, cette image, elle est stylée, mais. J'aime vraiment pas la violette. Enfin, la violette, là. Putain, c'est moi, la violette. J'aime pas l'autre. L'autre, c'est la fille avec le cheveu blanc. Du coup, bah. C'était tout. Je crois. Non, c'est même pas je crois. Elle m'a dit une nouvelle aventure. Vous savez, il y a une nouvelle aventure là. Enfin, Shauna va faire une nouvelle aventure. L'aventure des Frost. Ou... Non, l'histoire des Frost. L'aventure des Frost. Putain, j'ai rêvé. L'histoire des Frost. Du coup, bien évidemment, en tant que Frost, bah, je serai là, je la lirai. Hein, en tant que Frost, je me dois de lire tout ce qui concerne Shaun et moi. Et dans mes souvenirs, je crois qu'au Japon, ce qu'on est en train de lire en ce moment avec Shauna, ça s'appelle un doujinshi. Le seul problème, c'est. Non, non, je crois. Attendez. Non, c'est ça, c'est un doujinshi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un doujinshi, c'est juste que ça n'a pas d'image par rapport à. Ou par exemple, à un doujinshi Yandasmator. Et problème, c'est que je voulais bien lire un doujinshi Yandasmator, mais. Yandasmator étant en anglais et des doujinshi en français, c'est très compliqué à en trouver. Du coup, je peux pas vous les lire. Je suis un petit peu deg parce que mon niveau en anglais est vraiment nul. Même Little Nightmare, je sais pas, je crois que ça doit être, je veux dire, je crois que c'est en français. C'est sûr que c'est en français, si c'est pas en français, je vois pas comment le truc est sorti de la France. Enfin, il est arrivé en France.
Donc du coup, bah voilà, on va se filer sur moi en mode putain, je vais tuer ta race. Sérieux, mais je fais pas flipper sur cette photo. Sérieux, je fais flipper comme ça. Donc du coup, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que je vous adore. Faut que je pense à modifier les yeux. Arrêtez avec vos lives, putain, mais sérieux, mais je peux pas être partout. Regardez, j'ai même ça, regardez. Arrêtez! Je dois retrouver ma soeur Jessica. Non mais ce mec, il appelle tout le monde Jessica. Il appelle tout le monde Jessica. Il appelle tout le monde Jessica. Donc n'oubliez pas. Donc je vous dis. Je vais mélanger mes trucs. N'oubliez pas que je vous adore. Je vous dis à la prochaine. C'était Sonia. Ciao, ciao, tout le monde!